ayant vu notre voyage au lac Mistassini tomber à l'eau à cause des complications du coronavirus, nous nous sommes retournés vers notre plan B, un plan de dernière minute, qui était le réservoir Basse-Catogne. Logé confortablement au superbe pavillon de l'Orignal, c'était chacun notre première fois sur ce fameux plan d'eau. Accompagné de mon collègue Pierre, un pêcheur expérimenté, j'étais en bonne compagnie pour partir à la recherche du doré, du brochet et de la wananiche. Alors voici sans plus tarder, notre aventure Basse-Catogne. Bon visionnement! Moins de maringouin. Exactement. Bon matin à tous. On vient de se lever puis on est déjà prêt à aller au large. On s'en va déjeuner pour, en fait, pour éviter de se faire manger par les moustiques. Puis on a quand même très bien dormi sur cette petite île. Hier, quelle journée, plus grosse wananiche à vie pour moi. Puis c'est parti à la pêche. Ok, je vais essayer de te pousser. Oh yes sir! Comment commencer une journée? C'est parti! Exercice physique! C'est parti à la pêche! Après un petit déjeuner à bord du bateau, nous avons commencé cette journée à explorer une nouvelle zone. On va retourner vers la pointe. Ah! Ici, il y en a par exemple. On vient d'y trouver. Sur la cassure? Ouais, ici, là, il y a une cassure, là, si on drette là, là, je vais vous sur l'écran. Oh, oui, il y en a ici. Avec seulement un petit brochet que j'ai même pas été capable de filmer, cet avant-midi-là avait été difficile. Donc on a ramassé nos choses, puis on est reparti à l'autre bout complètement jusqu'au chalet. C'est parfait comme ça. Salut gang, on est de retour à la pêche. On s'est levé assez tôt ce matin. On a dormi dans nos tentes, c'est la nuit passée. On a fait une petite session de pêche en avant-midi, ça n'a pas été très fructueux. On a pris un petit brochet que j'ai même pas été capable de filmer finalement. On s'est reposé en après-midi, puis là, on est de retour sur notre spot à Wananiche. Donc souhaitez-nous bonne chance. Les caribous-là n'étaient pas tuables, j'ai dit attends. Il est mort parce qu'il disait qu'il était mort. Il avait descendu la montagne en courant. Il a sauté à l'eau le caribou. Il a traversé une partie de là. Il a viré sur le top. Ça flotte pas. C'est vraiment la meilleure bouffe que j'ai mangée. Je suis allé. Oh! Oh! Fish! Yes! Non? Il a manqué. Il a juste déclenché. Ah, il a manqué. Il a descendu. Il faut que ton clavier soit ouvert là, pour que tu la canne à force. C'est ça, parfait. Mise à l'eau parfaite. Ben, j'ai texté, il était 7h09, donc il était déjà fermé depuis 10h. Oh! Fish! Oh! Oh! Fish! Oh my god! Elle l'a raté! Pêche! Oh my god! Elle l'a raté? Je l'ai vu sauter! Ouais! Elle a sauté! Elle a attaqué la cyclope! Elle a sauté! Elle était pas énorme!
Elle devait faire une livre et demie, genre. Est-ce qu'on a tué quelqu'un dans la gueule? Pourtant, elle a pas l'air à bouger. Non, elle a raté. Un peu plus tard en soirée, après avoir raté une autre Wananish, nous avons remonté les downriggers, ramené les lignes, et nous avons ferré un doré surprise. Bon, mais j'ai ramené Downrigger, puis apparemment j'avais un poisson au bout de la ligne. Je me suis jamais rendu compte que j'avais un poisson. Je suis prêt. Puis c'est un beau doré. Un beau doré. Yes! Let's go! Oh, regarde le beau doré, toi! Hey! Oh, Downrigger! Un beau doré! Enfin, un beau doré! Tiens! Je m'en suis jamais rendu compte. Finalement, un beau doré du Basse-Catong. Très beau doré, man. Au Downrigger. Yes. Ça a été long, on a travaillé fort, mais ça a fini par porter fruit avec le petit Yuzuri, le petit Pins. Yes, une belle fin de journée. Ben, yes, sir. Yes. Ça a été une journée difficile en général, mais on a eu une belle surprise en fin de soirée. Un beau doré de 53 cm. La longueur maximum légale, donc on ne peut pas demander une plus belle surprise pour finir. Puis demain matin, on est de retour sur notre spot à Wananish. Donc, c'est pas fini, restez à l'affût.